Le titre de cette présentation, qui est lié évidemment aussi à des discussions qu'on a déjà eues l'année dernière et qui, se poursuivront, est « Mélancolie et pharmacologie, remarques sur ce qui peut être sauf ». Le thème de la mélancolie recouvre deux dimensions spécifiques selon l'acception à partir de laquelle on l'étudie. Une acception faible consiste à considérer la mélancolie comme étant un état d'âme ou une manière d'être. Dans ce cas, son étude repose sur des représentations et des témoignages, souvent iconographiques ou littéraires, visant à rendre compte, dans une perspective historique, de l'évolution des situations, des mœurs, des attitudes morales, des postures physiques ou des discours auxquels elle est associée. Dans une acception plus forte, il s'agit de définir l'état d'âme mélancolique selon des catégories psychopathologiques. L'étude est alors moins historique que clinique, et vise à établir des explications étiologiques en vue de thérapeutiques médicales. Il y a donc d'un côté une approche morale et existentielle, disons esthétique au sens large, et de l'autre une conception psychologique et psychiatrique, médicale. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est de montrer qu'entre ou par-delà ces deux acceptions, une troisième manière de comprendre la mélancolie est envisageable, une manière philosophique visant son élaboration conceptuelle. Le but d'une telle compréhension ne sera ni d'adopter une position de surplomb qui fixerait analytiquement le concept générique de mélancolie englobant ces deux acceptions, ni une approche historique visant à recenser et interpréter l'usage du terme mélancolie dans les textes philosophiques. Il s'agira plutôt de mettre au jour une dimension mélancolique de la pratique philosophique, c'est-à-dire de la présence de la mélancolie dans l'exercice philosophique de la pensée. Or, la difficulté de l'identification d'une telle présence réside dans le fait qu'il faudrait préalablement définir, si ce n'est le sens précis, en tout cas l'objet auquel peut s'appliquer la mélancolie, en sachant, par exemple, si elle serait à chercher dans l'état d'âme du philosophe, c'est-à-dire biographiquement, dans la tonalité affective de ses écrits, c'est-à-dire littérairement, ou encore dans le sens qu'il est possible de donner à l'usage du terme de mélancolie dans l'économie des textes, c'est-à-dire conceptuellement. Mon hypothèse méthodologique consiste dans l'idée que la mélancolie philosophique est à la fois et indiscernablement biographique, littéraire et conceptuelle, et donc qu'elle n'est réductible ni à un état psychique, ni à un style d'écriture, ni à un sens donné, mais qu'elle opère dans le processus de création philosophique d'une œuvre. En ce sens, la mélancolie dont il va être question ici est plus qu'un motif d'analyse des textes. Elle est une fonction interne aux œuvres que nous chercherons à rendre visible. Dit plus précisément, mais ce serait déjà anticipé sur ce que nous aurons à établir, ce que nous appellerons la mélancolie philosophique est visible au moment décisif où le philosophe fait des choix fondamentaux quant à l'orientation de sa pratique et l'élaboration de son système. Ces choix ne relevant d'aucun arbitraire, mais au contraire d'une nécessité de la pensée que le philosophe endosse et réfléchit comme tel, mais à chaque fois à sa manière, c'est-à-dire à travers un système conceptuel singulier. Ce travail sur la mélancolie philosophique en est à ses débuts. Il est né d'une discussion avec Hugues, il y a un an, ici même, durant l'Académie d'été, alors que ce thème, déjà présent, nous avait semblé, si ce n'est fondamental, en tout cas important, dans l'élaboration de la pensée pharmacologique, mais encore trop peu élucidé. Ce que je propose avec l'exposé d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir une première piste susceptible d'établir les bases conceptuelles d'une thématisation de la mélancolie philosophique en vue de sa clarification pharmacologique. Mon hypothèse est donc double. D'une part, que la pharmacologie est à même de nous fournir les outils conceptuels pour clarifier ce qu'est la mélancolie philosophique. Et d'autre part, qu'en retour de cette clarification, le concept de mélancolie nous servira à poursuivre le travail d'élucidation des fondements de la pharmacologie et par là de son inscription dans l'histoire de la philosophie. Ce que je propose dans l'exposé d'aujourd'hui est d'établir ce qu'on pourrait appeler un schème de la mélancolie philosophique en vue de mettre à l'épreuve ces deux hypothèses de travail. Je le ferai à partir d'une réflexion autour d'un célèbre poème d'Hölderlin. Cette réflexion ne consiste pour l'instant en aucune thèse à proprement parler. Encore une fois, il s'agit d'un travail en cours. Ce ne sera qu'à travers les remarques que cette réflexion suscitera que pourra être évaluée la fécondité de ces hypothèses. Plus largement, l'articulation entre mélancolie et pharmacologie risque de n'en rester aujourd'hui. Cette articulation risque de ne rester qu'à l'horizon de cette réflexion pour aujourd'hui. J'essaierai toutefois de l'atteindre à la fin de cette présentation. Le poème de Hölderlin,
dont il est question s'intitule Patmos. Et plus précisément, il s'agit des troisième et quatrième lignes. Elles sont connues en particulier pour avoir été commentées à plusieurs reprises par Heidegger. Les voici dans la traduction de Gustave Roux. Mais au lieu du péril, croient ainsi ceux qui sauvent. Ce qui va m'intéresser dans ces lignes, c'est le passage de l'une à l'autre. Et plus précisément, trois choses impliquées par ce passage. Première chose, l'évidence de ce passage que le aussi établit et dont il s'agira d'interroger la raison. Deuxièmement, la nature de l'énergie qui commande le mouvement auquel ce passage correspond et que Hölderlin détermine comme croissance. Et troisièmement, le caractère contradictoire des deux éléments que ce passage relie, le péril, le danger, et ce qui sauve, le salutaire. Avec deux exemples, les philosophies de Hegel et de Heidegger, je tenterai de montrer qu'à travers l'interprétation de ce passage se révèlent des choix philosophiques fondamentaux qui sont autant de conceptions de la mélancolie. De là, il sera possible d'envisager, avec l'aide du pseudo-Aristote, une première conceptualisation du schème de la mélancolie philosophique. Je chercherai à l'utiliser pour interroger les philosophies de Derrida et Deleuze, et peut-être, si j'en ai le temps donc, j'en proposerai une interprétation pharmacologique. Première chose donc, le passage du danger à ce qui sauve, deux interprétations d'Hölderlin. Hölderlin est un contemporain de Hegel, tous deux nés en 1770, ils se sont côtoyés au séminaire de Tübingen. Les premières interprétations de Hölderlin, s'inscrivant dans l'idéalisme allemand, virent dans ces deux lignes, dans ce passage entre ces deux lignes, une logique de la dialectique hegelienne. En cette interprétation, le danger doit être compris comme le négatif qui, par le biais de l'Aufhebung, se convertit en positif. Pour entrer dans la logique de ce processus, sans avoir à entrer dans l'appareil conceptuel de Hegel, je vais utiliser un exemple phénoménologique emprunté au principe de la philosophie du droit, plus précisément au début de son fameux premier moment, le droit abstrait, consacré à la propriété. D'abord, il y a affirmation, la prise de possession d'une chose. Je m'affirme en tant que possédant à travers ce que je possède, je m'y identifie. Hegel nous dit « je suis objectif pour moi dans la possession ». La chose que j'ai représente ma volonté. Elle me donne une consistance. Je dis « c'est à moi, c'est à moi, c'est moi qui l'ai ». Or, la chose, comme toute chose, est périssable. Elle peut se casser par accident ou même se détériorer du seul fait de son usage, de sa consommation. C'est moment négatif. La perte de la chose me révèle alors qu'elle n'est pas moi. L'affirmation de la possession contenait donc en elle-même un danger. S'affirmer à travers ce que l'on possède, c'est prendre le risque de se perdre avec la chose. Mais en quoi ce danger de la perte recèle-t-il un élément salutaire ? La chose peut être niée, être perdue, être détruite, et moi-même je risque d'être nié par la même, en tant que possédant. Toutefois, constatant que toute chose que je possède est destinée à être perdue, je vais pouvoir vouloir les détruire moi-même, vouloir nier cette négation en étant moi-même à l'origine de cette perte. Ainsi, moi, je vais surmonter cette perte en me séparant de l'objet. Je vais redoubler la négation en niant que la perte de la chose me nie en tant que possédant. Alors, je m'affirme comme possédant au-delà de la chose possédée. Je m'affirme comme possesseur universel, propriétaire, au-delà de chaque chose particulière. Mais cette négation de la négation n'est pas suffisante pour expliquer la dialectique. La dialectique, en fait, fonctionne en quatre temps et pas en trois temps. Oui, le salut vient bien de la négation, mais à une condition, qu'il entraîne une nouvelle affirmation. Or, bien que ce mouvement soit rationnel et nécessaire, il arrive qu'il n'ait pas lieu, qu'il rate, qu'il ne s'effectue pas. En ce sens, il y a une sorte d'ambiguïté à ce moment où la négation de la négation peut bien ou mal tourner. Ce qui pose une question. Dans quelle mesure vais-je pouvoir continuer d'exister en me dépossédant de la chose pour en surmonter la perte ? Reprenons notre exemple. En quoi se déposséder d'une chose possédée, par exemple par une destruction somptuaire, conduit à une affirmation effective ? Détruire, c'est s'affirmer maître de la chose, soit, comme l'enfant cassant ses jouets. Mais quel avenir pour une telle affirmation dans la destruction ? Un nouveau risque apparaît, celui d'en rester à n'être qu'une puissance de destruction. Cycle infernal d'une pulsion sans désir, pure folie destructrice. Certains se perdront dans le mauvais infini de cette jouissance. Au contraire, la plupart, c'est-à-dire l'essentiel, vont la surmonter en s'aliénant leur puissance infinie de possession et de destruction.
Ceux-ci vont nier la perte de la chose, par exemple en l'échangeant contre une autre chose. Ils vont bien nier ce qu'ils possèdent en s'en séparant, mais sans craindre cette séparation. Ainsi, tout en perdant une chose, je peux conserver le fait d'être possédant en acquérant une autre chose. Je suis reconnu et donc m'affirme possédant à travers l'échange. Auf und Ab. Or, sans la négation de la chose par elle-même, sa destruction inéluctable, jamais le possédant ne serait devenu un échangeur. Ainsi, le danger, la perte, recèle ce qui permettra de la surmonter, son contraire, la propriété. La logique dialectique implique l'idée que chaque être tend à se nier en son contraire, et donc que l'être est fondamentalement contradictoire. Mais, comme on l'a vu, le redoublement de la négation, qui assure le passage du danger au salut, n'est pas évident. Il peut mal tourner, le négatif peut s'emballer. Dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel donne le nom de belle âme à la détermination subjective de cet emballement, ce mauvais infini. Mais la belle âme n'en est qu'un avatar romantique. Plus généralement, cette démesure du négatif, cette folie autodestructrice qui est vécue comme une existence possible par la belle âme, alors que sa singularité est la marque de son inaccomplissement et de sa mort prochaine, cette démesure, Hegel la renvoie à l'énergie de la perdition, un négatif sans relève, un excès sans avenir, une détermination dépressive de l'existence. Hegel fait le choix de négliger la possibilité d'un tel avenir au nom de la finalité du processus de l'Aufhebung. D'autres, comme Kierkegaard ou plus tard Bataille, verront dans ces résidus, ces miettes et ces excès du négatif, le lieu d'une vie possible, singulière, mais possible car pensable. Mais avant d'envisager de telles pensées, passons à la seconde interprétation, celle de Heidegger. La philosophie de Heidegger offre explicitement une autre interprétation de ces vers de Hölderlin. Le danger vient également de la négation de l'être, mais selon un mouvement qui n'est pas celui de la dialectique. Au risque d'entrer directement dans le vif du sujet, et en le disant nécessairement trop rapidement, pour Heidegger, la négation n'est pas destruction, mais retrait, occultation de l'être. Cette occultation provient d'une confusion entraînant un oubli qui est né à l'époque de Platon et que la métaphysique a continué jusqu'à nos jours en cherchant à identifier, à définir l'être sur le modèle de l'étant. Que l'être soit conçu soit, par exemple, comme ce qui est immuable, la substance, commun à tous, le genre, ou impulsion originaire, premier moteur, etc., à chaque fois, la confusion est entretenue. À travers cette confusion entre l'être et l'étant, ce qui est oublié, pour Heidegger, c'est la question de l'être, c'est-à-dire l'interrogation à propos du propre de l'être. Mais le danger ne vient pas seulement de là, car c'est dans le retrait que la confusion entretient, c'est dans ce retrait que l'être se dévoile, se donne à penser. Le danger vient plutôt du redoublement de cet oubli. Aujourd'hui, le dévoilement de l'être a pris une nouvelle forme pour Heidegger. L'être se donne de prime abord et le plus souvent à travers la technique. Or, le rapport que nous entretenons avec les objets techniques est automatique. L'objet technique est son usage. Il est l'action qui nous provoque à faire et dans laquelle être et étant sont objectivement confondus. L'être n'est plus cet étant transcendant, mystérieux, il est immanent à la vie quotidienne et tend à s'effacer définitivement de notre préoccupation mondaine. Mais ces bouleversements économiques, politiques, sociaux, psychologiques, etc., dont Heidegger nous dit que nous attribuons par erreur la cause, c'est-à-dire la faute, à la prolifération des nouveaux objets techniques, ces transformations que l'homme subit en son être même nous reconduit du même coup à la question de notre être. Autrement dit, du danger naît bien le salut. C'est parce que les transformations que nous subissons sont stupéfiantes, c'est parce que nous en venons à nous dire que c'est l'être lui-même qui se transforme, qu'alors nous sommes amenés à poser, plus fondamentalement encore qu'avec la différence entre l'être et l'étant, la question de l'essence de l'être. En ce sens, écrit Heidegger, je le cite, « l'essence de la technique est ambiguë. Un, premièrement, elle est à la fois ce qui nous conduit à cet extrême danger qu'est l'oubli de l'être, sa perte incessante dans l'affairement technique en lequel notre vie quotidienne se transforme continuellement, et en même temps, deuxième point, ce qui, à cause de ces transformations, nous reconduit à la question de l'essence en nous poussant à nous demander « qui suis-je, moi, qui peux supporter de telles transformations ?» Et plus généralement, « que peut être l'essence, c'est-à-dire la forme d'unité, de ce qui peut subir de telles transformations ?» Comment comprendre que l'être change et reste le même ? En un mot, la réponse de Heidegger consiste à dire que l'essence de l'être est ce qui sauve l'être de son changement.
car l'essence est ce qui rattache l'être à son origine, qui est précisément de changer. C'est cela l'essence de la technique, le Gestell, le paradoxe d'un changement permanent qui nous révèle l'essence de l'être, c'est-à-dire ce qu'est l'être originairement, ce qui change tout en se maintenant, tout en restant rassemblé. Autrement dit, et pour en revenir à ce qui nous intéresse, dans la philosophie de Heidegger, le danger, c'est-à-dire le Gestell comme oubli de l'oubli de l'être, recèle ce qui sauve, c'est-à-dire le Gestell comme révélation de la question de l'essence de l'être. Car c'est lorsque nous sommes en danger, qui est toujours donc danger de nous transformer, de nous éloigner de notre être au point de nous perdre, que la question de notre être originaire, de ce que nous avons le plus à perdre, se fait la plus pressante. Donc, pour Heidegger, il est possible de dire qu'il n'y a pas de croissance sans enracinement. Ce qui sauve croit dans la terre de l'origine, l'être pré-métaphysique, son essence, vers laquelle le danger dirige notre regard. Comme chez Hegel, le mouvement qui permet le passage est un redoublement du négatif, oubli de l'oubli, mais qui ne se résout pas en une nouvelle affirmation. Pas de relève du négatif, mais révélation de ce qu'il est. Non pas un agent de destruction, mais de transformation. Sauver ne signifie pas, chez Heidegger, conserver, substantialiser l'essentiel, mais ramener l'essence à la question et ainsi sauvegarder notre rapport à l'être originaire. Comment comprendre le fonctionnement du schème mélancolique dans ce mouvement de l'être, chez Heidegger, qui va de son oubli, la métaphysique, vers le redoublement de cet oubli, le danger, qui nous ramène à la question originaire de son essence, en révélant sa transformabilité, ce qui sauve. Pour cela, nous pouvons mobiliser ce que Heidegger dit lui-même de la mélancolie. Bien qu'il n'ait jamais cherché à la conceptualiser, elle apparaît au moins en deux lieux, dans deux acceptions distinctes, que nous pouvons aborder à partir de son célèbre concept d'angoisse. Sans entrer dans le déploiement de l'analyse fondamentale de la détermination ontologico-existentielle de l'angoisse, il faut rappeler que cette tonalité affective, l'angoisse, est celle d'une perte du sens du monde, perte dont le Gestell est une condition historiale insigne, et qu'elle risque toujours de n'être qu'une, je le cite, « disposition d'âme pénible qui laisse l'homme désemparé face à ce qui lui arrive ». Cette dimension psychologique ou psychanalytique de l'angoisse tend toujours à occulter, nous dit Heidegger, et empêcher l'avènement de son destin ontologique qui est de rendre les hommes attentifs à l'oubli de l'être, dit-il dans « Qu'est-ce que la métaphysique ?». Nous pouvons appeler mélancolie la tonalité affective fondamentale, c'est ce que je propose, hein, la tonalité affective fondamentale qui supporte l'angoisse et maintient le Dasein dans l'ouverture à la question du sens de l'être, vers laquelle un monde devenu insensé l'aura jeté. En ce sens, la mélancolie serait l'essence de l'angoisse. Le mélancolique est donc cet homme qui peut supporter, séjourner dans l'angoisse, sans succomber au travers psychopathologique qu'elle ouvre inévitablement. Heidegger ajoute, dans un échange épistolaire à propos d'un vers du poète Moricke, que cet homme, c'est d'abord le poète, dont l'œuvre témoigne et ouvre le lecteur à la mélancolie, et par là, nous l'aurons compris, à ceux qui sauvent. Pour approfondir notre compréhension du passage du danger au salut, il nous faut préciser comment fonctionne la mélancolie dans le poème. Paradoxalement, nous dit Heidegger, il y a tonalité mélancolique de l'œuvre d'art lorsque, je cite Heidegger, elle n'a plus pour elle l'attention des hommes qui convient à son essence, lorsque l'œuvre d'art ne peut plus le sauver pour toujours et intégralement. Moricke, dans son poème, se demande en effet, je cite le poème, « Qui s'en soucie de l'œuvre d'art ?» Autrement dit, qui prend soin de l'œuvre d'art aujourd'hui ? Qui se préoccupe de ce que l'œuvre d'art recèle en son essence pour les hommes ? La médiocrité ambiante, dirait Heidegger, conduit le poète à une impuissance. Un danger atteint l'œuvre d'art dont on aurait oublié la vocation ontologique à donner ou redonner du sens au monde. Mais plus précisément encore, comment comprendre que ce soit par et grâce à cette impuissance que l'œuvre d'art peut alors ouvrir à la mélancolie ? Cette impuissance, Heidegger la nomme aussi « douleur », en choisissant non plus le mot allemand courant « Schmerz », mais « Wehe », qui signifie plus particulièrement « douleur de l'accouchement », et qui permet à Heidegger un rapprochement avec « Wehmut », qu'il utilise pour dire « mélancolie ». Autrement dit, en cette douloureuse impuissance que le poète endure, ce n'est pas un cri d'agonie qu'il faut entendre, mais au contraire celui d'un effort, un travail, qui est un engendrement, une production. L'œuvre d'art naît de cette douleur, elle est production mélancolique, c'est-à-dire de celui qui sera, je cite, «
maintenu fermement au travail, malgré et à même la douleur de ce savoir impuissant. Ajoutons que Derrida remarque en commentant le cours sur Schelling de Heidegger que VE est aussi à rapprocher de VN, le souffle, soufflé. En effet, Heidegger médite l'essence de l'esprit à partir du VN, qu'il associe au pneuma des Grecs, en ce qu'en lui se retrouve l'origine de ce qui maintient uni et qui est au principe de toute essence. Ce souffle est en particulier ce qui habite l'âme du poète. Elle est son inspiration qui est ouverture à l'essence, c'est-à-dire à ce qui maintient les choses en elles-mêmes et entre elles, ce qui donnera le quadriparti. Mais cette ouverture angoissée, ce séjour auprès de l'être, n'est pas statique. Le poète risquerait de s'y perdre, d'y rester. Le souffle est aussi mouvement, animation du poète qui fait de ce séjour un passage, qui par là va lui permettre, précise Derrida, de donner son espace à l'esprit, de le rendre visible à même l'œuvre d'art. Bref, souffrance et souffle, la mélancolie recèle une ambiguïté dont le mouvement est un passage, une circulation entre impuissance et puissance, perdition et renaissance. Mais Derrida ajoute dans son commentaire, et c'est cela qui va particulièrement nous intéresser, que ce commentaire tiré de l'esprit de Derrida, que ce mouvement que nous qualifions ici de mélancolique est toujours un mouvement de retour, orienté vers soi, vers l'origine de soi. Il est le désir d'un retour à l'origine. Or, une mélancolie tournée vers l'origine, n'est-ce pas ce que nous appelons nostalgie ? Derrida en conclut explicitement, je le cite, « Dans l'esprit règne la nostalgie de sa propre essence. » Mais peut-on assimiler nostalgie et mélancolie ? Soit, peut-être que toute nostalgie est une mélancolie. Mais ne devons-nous pas envisager que toute mélancolie ne soit pas une nostalgie ? Que le mouvement, le passage qu'opère le mélancolique, et dans lequel se trouve ce qui sauve, peut être tourné vers autre chose que l'origine ? Ici se révèle le choix de la mélancolie philosophique de Heidegger. En effet, en une deuxième occasion, dans l'œuvre de Heidegger, ici dans les concepts fondamentaux de la métaphysique, Heidegger évoque aussi la mélancolie, mais pour l'associer à un pur acte de création. Je cite Heidegger, « Tout agir créateur est dans la mélancolie ». Or, cette fois-là, il utilise « Schwermut » et non « Wehmut ». Or, « Schwermut » signifie strictement « mélancolie ». Il nous faut donc en déduire que la mélancolie en tant que telle est création. Mais cette création n'est ce qui sauve que lorsque la mélancolie est aussi nostalgie. Wehmut, que lorsque le mouvement de création est polarisé par l'origine. C'est en ce sens que Hölderlin doit être appelé, comme le fait Heidegger, le poète des poètes. Il est celui qui a poématisé ce mouvement de la Wehmut, ce détournement du regard vers l'origine en lequel consiste l'essence de la poésie. Les deux vers de Hölderlin, enfin les deux lignes de Hölderlin qui nous intéressent ici, doivent donc être compris comme la révélation de l'essence de la poésie. Elle est ce qui sauve, en effectuant par elle-même et en nous, lorsque nous la méditons, le mouvement mélancolico-nostalgique du retour vers l'origine, c'est-à-dire vers la question de l'essence de l'être. Mais quel lien pouvons-nous établir entre ce passage poétique du danger à ce qui sauve et le Gestell, dont l'ambiguïté implique ce même passage ? Pour Heidegger, ce lien est direct, car l'essence du poétique appartient à l'essence de la technique. C'est pourquoi Gestell et poétique nous révèlent en même temps, en une même époque, la nôtre, leur essence commune, cette origine impliquée dans l'idée d'essence, origine de l'essence de la technique, qui est l'essence de la techné. En effet, la production poétique est une poiesis qui, originairement, c'est-à-dire dans le langage grec d'avant la métaphysique, n'est pas distincte de la techné. Bref, en faisant retour vers l'essence de la technique, telle que les lignes du poète, ces deux lignes du poète nous invitent à le faire, se révèle à nous l'ambiguïté de l'époque du Gestell. Elle est, comme le dit Heidegger, provocation, aliénation technique, et production, création poétique. Nous pouvons alors résumer en reprenant la réflexion à l'aide de notre schème de la mélancolie philosophique dont nous commençons ici à définir les contours. Pour Heidegger, la mélancolie est une source d'énergie. Cette énergie naît paradoxalement d'une douleur fondamentale dont la cause est la perte de l'origine. La plupart du temps, cette énergie est insupportable. Le problème de l'origine, c'est-à-dire la question de l'être, est alors recouverte, oubliée, et la mélancolie nivelée en une angoisse psychologique. Le Dasein est alors, dit Heidegger dans Les Traitants, dégrisé. Or, il explique ce nivellement de l'énergie mélancolique par ce qu'il appelle la médiocrité.
qui est la dimension existentielle de l'entropie, pourrions-nous dire ici. Ce nivellement est précisément ce que le Gestell, qu'il faudrait alors comprendre comme règne du capitalisme, renforce au point de dénier et détruire l'énergie propre à la mélancolie, son caractère créateur, en la réduisant soit à sa dimension esthétique, soit à sa dimension médicale. Par là, ce dégrisement est une manière de, comme l'écrit Heidegger, je le cite, « veiller sur toute exception qui pourrait surgir ». Or, précisément, le mélancolique est l'exceptionnel. Celui qui saura souffrir l'absence d'origine, celui qui se maintiendra à même l'abîme de la question de l'être. Mais à tel maintien, Heidegger le juge impossible. On ne peut pas vivre à même l'angoisse. Elle n'a pour avenir que la mort. Il faut la tempérer, la dégriser, mais autrement, pas par la médiocrité. Par la nostalgie dont le poète incarne la Stimmung, ce regard vers le passé qui redonne de l'avenir. Mais quel avenir pourrions-nous alors demander à Heidegger ? La Wehmut est une alternative au dégrisement par nivellement et son emballement anthropique, soit. Mais c'est pour le convertir en cet autre dégrisement, dégrisement par la nostalgie, qui est une réorientation de la puissance créatrice du mélancolique. Cette opération intrinsèque à la philosophie de Heidegger, opération donc de réorientation de l'énergie mélancolique, Deleuze ne manquera pas de la qualifier de reterritorialisation abjecte. Et en effet, ce choix fondamental, cette Stimmung mélancolico-nostalgique, n'est certainement pas sans lien avec des options politiques qui sont désormais clairement établies et documentées. Le risque de cette polarisation nostalgique de l'énergie mélancolique est de la transformer en une obsession de l'origine, de la terre natale, obsession à laquelle je ne crois pas qu'il soit possible de réduire Hölderlin. Dans le point suivant, nous allons essayer, à partir de Hegel à Heidegger, de faire le point, donc, et d'établir plus précisément les caractéristiques de la mélancolie philosophique. Quatre caractéristiques peuvent être établies. Première caractéristique, il y a mélancolie philosophique lorsqu'il y a convertibilité ontologique du négatif. Deuxième point, le négatif est ce qui provoque la perte, il est agent de perdition. Troisième point, la convertibilité procède d'un redoublement du négatif qui engage un mouvement dangereux. Chez Hegel, le redoublement du négatif, négation de la négation, est un mouvement qui mène soit au cercle infini de la perdition, dépression, soit à la Aufhebung. Chez Heidegger, le redoublement du négatif est approfondissement de la perte, extrême danger de l'oubli, dont le Gestell est le mouvement. Il mène à la fois au désastre terminal, aliénation par la technique, et à la révélation de l'origine, la question de l'essence de l'être. Quatrième point, c'est par une limitation de ce mouvement qu'il peut devenir salutaire. Pour Hegel, autodétermination à une nouvelle affirmation par la Aufhebung, finalité historique. Et pour Heidegger, orientation nostalgique guidée par la poésie, retour à la terre natale. Nous pouvons retrouver ces quatre caractéristiques dans la manière dont le pseudo-Aristote définit le mélancolique dans le problème 31, aussi appelé l'homme de génie et la mélancolie. Plus encore, ce texte du pseudo-Aristote va nous permettre de préciser notre schéma. Dans ce texte, le but d'Aristote est de donner un fondement physiologique à l'hubris, que nous pouvons associer ici à ce que nous appelons le négatif. L'homme, sous le coup de l'hubris, s'engage dans un mouvement dangereux, car ambigu, vers le pire comme vers le meilleur. Mouvement qui correspond au terme grec « mania ». Tantôt la mania sera expliquée par un dérèglement psychologique ou physiologique, une folie, tantôt par une action des dieux sur les hommes, une fureur divine, un enthousiasme. Le but du pseudo-Aristote est de rationaliser et systématiser la mania par une analyse d'ordre clinique de la mélancolie, c'est-à-dire à partir de l'étude de la bile noire, qui donnera le nom en grec de mélancolie. La bile noire est une substance physiologique qui est composée d'éléments venteux, pneumatica, qui en excès produit l'extasis, c'est-à-dire une sortie de soi qui est du même coup une perte de soi. Cet excès est le plus souvent accidentel, soit à cause d'un dérèglement ponctuel de l'organisme, soit par l'apport extérieur d'une autre substance composée de pneumatica, comme le vin. Dans ce cas, l'extasie, c'est un trouble, voire une folie passagère qui peut être fatale. Mais il existe des individus, nous dit le pseudo-Aristote, qui sont mélancoliques par nature, des individus dont le foie, organe de la bile noire, dysfonctionne,
et dont l'humeur, le taux de bile noire dans le mélange, la crase de leur corps, est donc inconstante. Sont-ils irrémédiablement fous, ces mélancoliques par nature ? Oui, en un sens, mais ils peuvent être capables de convertir cette inconstance, ce danger de l'extasis dû à l'excès de bile noire, en une vie d'être, je cite le pseudo-Aristote, supérieur aux autres, une vie de génie qu'Aristote nomme les péritoi. Ce terme difficile à traduire, péritoi, signifie autant résidu que excessif ou exception, et cristallise ainsi l'ambiguïté mélancolique. Comment comprendre cette vie d'exception à partir de notre schème ? D'abord le point 2. L'excès de bile noire est l'essence même des mélancoliques. Ils ne sont jamais eux-mêmes, toujours inconstants, instables, je cite. Ils diffèrent d'avec eux-mêmes. Mais comment y remédier ? Quelle convertibilité de la bile noire ? C'est ici l'important, point 1. La conversion n'est pas un passage. La conversion, comme nous l'avons jusqu'à présent pensé à partir de l'idée de croissance trouvée chez Hölderlin, est un passage. Mais chez le pseudo-Aristote, il y a bien conversion, mais il ne s'agit pas de transformer, surmonter ou réorienter la bile noire. L'inconstance est donc l'ambiguïté, et elle est irrémédiable. Ce qu'il faut, c'est, je cite le pseudo-Aristote, un bon mélange de l'inconstance. C'est le point 3. Il faut redoubler la bile noire par d'autres substances pour atteindre la bonne crase, le bon mélange. Mais le résultat ne peut être connu a priori et n'est jamais acquis. Il est incalculable, dirions-nous ici. Ici, la convertibilité mélancolique ne consiste donc pas dans le passage de l'inconstance d'une mauvaise crase, folie de la dysthymie, à la constance d'une bonne crase, salut de l'euthymie. Cette convertibilité doit plutôt être pensée comme un ajustement permanent, ce que nous pourrions appeler avec Simondon une métastabilité, où l'ambiguïté, la tension, persiste et fonctionne comme énergie créatrice du mélancolique, où danger et salut demeurent simultanés. Il n'est donc pas nécessaire de limiter l'inconstance, point 4, mais au contraire de l'entretenir et de l'ajuster au milieu. La bonne crase, l'euthymie, obtenue par métastabilité de la bile noire au milieu, est exceptionnelle par elle-même, à même la dysthymie, l'hubris mélancolique. La différence, la faille, le défaut d'être, l'impuissance du mélancolique est en elle-même, en tant qu'irrémédiable, la possibilité d'une vie exceptionnelle, c'est-à-dire singulière, une puissance d'être démesurée et créatrice. L'analyse du pseudo-Aristote nous permet donc de comprendre qu'une mélancolie philosophique sans limitation de son principe, mais assumant son mouvement propre, est pensable. La difficulté réside dans la nécessité de penser à même l'ambiguïté, à même l'alternative entre le danger et le salut, sans trancher idéalement. Il me semble que la radicalité de cette forme de mélancolie philosophique trouve sa source dans son ancrage physiologique, évitant ainsi toute spéculation métaphysique telle que le pseudo-Aristote cherche à les éviter. Les mélancolies philosophiques d'ordre spéculative, qui en restent à une métaphysique du négatif, manquent sa vitalité véritable, travestissent son énergie par des choix qui dénient ou dévoient la possibilité de l'exception. Deuxième point, la vie mélancolique, où nous allons aborder donc cette possibilité de vie singulière à même l'ambiguïté, sans limiter l'énergie mélancolique. L'impouvoir d'Artaud, mélancolie philosophique radicale. Il me reste combien de temps ? Peu, hein ? 15 minutes ? Bon, très bien. La simultanéité de l'impuissance et de la puissance, qui prend la forme de la pensée de l'impossibilité de penser, ou de la description de l'impossibilité d'écrire, la vie et l'œuvre d'Artaud l'incarnent. Elles sont certainement le témoignage de la mélancolie philosophique la plus radicale qui ait existé. Cette simultanéité, qui est donc la convertibilité mélancolique par excellence, Artaud la nomme un pouvoir. Blanchot la commente ainsi, dans le livre à venir. Je lis donc Blanchot. Ce n'est pas seulement une difficulté métaphysique, c'est le ravissement d'une douleur qui lui permet de, je cite encore Blanchot, sauver sa pensée en tant qu'elle est perdue. Plusieurs systèmes philosophiques sont héritiers de cette mélancolie philosophique radicale que nous propose Artaud. On les appelle souvent philosophie de la différence ou post-structuralisme, peu importe. Je crois que parmi elles, les deux les plus conséquentes, mais aussi en un sens les plus différentes l'une à l'autre, sont les philosophies de Derrida et Deleuze. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de le montrer complètement. Je dois conclure, mais avant, j'aimerais simplement en dire quelques mots. D'abord avec Derrida.
la survie de Derrida, Euchrasie spectrale, ça jargonne, mais je vais expliquer. Chez Derrida, l'impouvoir n'est plus un apanage de nature, propre à certains hommes d'exception. L'impouvoir est la structure même de la subjectivité que découvre la déconstruction du sujet. Une mélancolie fondamentale qui se révèle à chacun sous la forme de la hantise. Nous sommes hantés, nous dit Derrida, nous sommes hantés par des spectres dont nous hallucinons la présence et qui nous reviennent, toujours à l'improviste, d'un ailleurs inconnu parce qu'irréductiblement inconscient cryptique. Vivre ne peut donc consister qu'à vivre hanté, c'est-à-dire vivre avec les spectres qui nous rappellent sans cesse à la mort, à notre propre mort, qui n'est propre que dans la mesure où, en réalité, elle est déjà passée. Je vous donne un exemple. Vous vous mettez en colère, soudainement, et là, quelqu'un, votre compagne est avec vous, et là, votre compagne vous dit « J'ai cru voir ton père ». Parce que, au moment où vous êtes sorti de vous-même, dans cette colère, alors vous avez, dirait Derrida, spectralisé votre père. C'est simplement ça, la hantise. On est toujours hanté de pouvoir spectraliser. Quelqu'un peut nous habiter malgré nous, toujours à l'improviste. Voilà, c'est pas une sorte de mystique ou de idéalisme reconduit qu'il y a dans la spectralité derridienne, c'est simplement cette idée-là. Donc, vivre ne peut donc consister qu'à vivre hanté, vivre avec les spectres. La difficulté, c'est que notre propre mort, que les spectres nous rappellent, notre propre mort, elle n'est pas propre dans la mesure où, en réalité, pour Derrida, elle est déjà passée. Car il serait impropre de reconduire ce qui a été déconstruit. Je ne peux pas dire avec Derrida « je suis hanté ». Il faut plutôt dire « il y a de la hantise à laquelle moi-même j'appartiens pour d'autres, comme pour moi. Je suis un spectre. » Qu'est-ce qu'une vie possible alors? Que peut-on en espérer? L'euchrasie de Derrida mélancolique consiste à apprendre à vivre avec les spectres, malgré leur surgissement imprévisible. Cet apprentissage est impossible, puisque ça nous prend toujours par surprise, sans raison, dans une inconstance radicale, presque une folie qu'aucune méthode ou scolastique ne saurait conjurer sans, par cette dénégation, reconduire les spectres malgré soi. Seule la déconstruction, comme éthique, permet de vivre cette hantise. Cette vie consiste en la singularité d'une écriture, un ton que la pratique de la déconstruction à laquelle doit consister cette écriture, écriture au sens déridien, c'est-à-dire qui n'est pas réductible à l'écriture de l'écrivain. Donc, que la pratique de la déconstruction a pour but de chercher non pas à chasser les fantômes, mais au contraire à les accueillir, à les faire apparaître dans la différence avec un A du texte, une écriture spectrale. En ce sens, cette écriture est la trace du passage de ces, de nos fantômes, à travers laquelle nous-mêmes pouvons laisser une trace, c'est-à-dire vivre, ou plutôt, comme le propose Derrida, survivre. L'euchrasie, c'est la bonne écriture, donc, le bon procédé littéraire pour faire revenir les fantômes et, à travers eux, revenir soi-même. Cette euchrasie spectrale est l'une des deux possibilités de la bonne inconstance, auquel le mélancolique peut prétendre, selon le pseudo-Aristote. L'autre choix possible ne consiste pas en la quête infiniment délicate et méditative d'une intériorité par impossible retrouvée, mais au contraire, se dit en un mot foncièrement grec, le kairos. Donc, deuxième mélancolie philosophique radicale possible, la vie immanente de Deleuze, un kairos contre-effectué, ça jargonne de nouveau, mais je vais encore expliquer. Il peut être étonnant de qualifier Deleuze de mélancolique, lui l'apôtre de l'affirmation et le pourfendeur du négatif. Oui, mais Deleuze est aussi un penseur du tragique, dont la formule pourrait bien avoir été dite par le Zarathoustra de Nietzsche. Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Deleuze déplace la question de la mélancolie philosophique à travers son opération métaphysique fondamentale, à savoir passer du négatif au virtuel. Virtuel, qu'il nous faudra entendre comme le nom cosmique de la bile noire. Il y a une physique de la mélancolie chez Deleuze, dont les crises s'appellent chaos, pure inconstance et inconsistance. Le problème n'est pas d'éviter ou de limiter le chaos, mais de l'ordonner, sans réduire sa puissance, sa vitesse. Faire de cette puissance, qui est puissance de mouvement, une puissance de liaison,
un mouvement qui rassemble en reliant ce qui est hétérogène. Ici, Deleuze est proche de Heidegger. L'essence du concept chez Deleuze est très proche de l'essence de Heidegger. Point qu'il faudrait bien évidemment infiniment travailler, mais qui, je crois, a peu été fait. La possibilité d'une vie, pour Deleuze, se trouve dans ce maintien d'éléments hétérogènes alors engagés dans une individuation commune, symbiotique. En ce sens, chaque vie est exceptionnelle, car agencement singulier d'éléments hétérogènes. Mais il y a une variation infinie de l'exceptionnel chez Deleuze. Or, ce relativisme n'est pas un... Or, cette variation infinie n'est pas un relativisme, car une question persiste chez Deleuze. Quelle vitesse, intellectuelle, affective, physique, quelle vitesse, quel agencement, pour quel ordre est-il possible de supporter? Quel degré d'inconstance, quelle quantité de bile noire telle vie peut-elle contenir? Tout dépend de la manière dont cet ordre a été donné, dont cette vie a été construite. Les plus puissantes, c'est-à-dire les plus mélancoliques, ou radicalement mélancoliques, pourrions-nous risquer de dire, se distinguent sur un point pour Deleuze. Ce sont des vies qui ne procèdent pas d'une individuation, mais de ce que Deleuze appelle une singularisation. Il le fait à partir de Foucault. Il y a singularisation lorsqu'une vie s'est construite à même un contact primordial avec le chaos, un choc, un événement, brisant l'individuation en cours, qui aurait été l'occasion, le kairos, d'une contre-effectuation, une bifurcation, dirions-nous. Cette contre-effectuation qui est, dit trop rapidement, la prise de consistance quasi-causale d'une fêlure. Je jargonne, mais je n'aurai pas le temps de développer. Et quasi-causale, c'est un mot qu'on utilise. Donc cette contre-effectuation qui est, dit trop rapidement, la prise de consistance quasi-causale d'une fêlure, ne réside plus dans la manière de s'individuer, d'actualiser sa puissance, mais de développer une nouvelle puissance, de donner une consistance inédite au chaos, par la création de nouveaux affects, percepts, de nouvelles pensées, nouveaux, c'est-à-dire réellement exceptionnels. Une telle création n'est pas la réalisation d'un rêve ou l'extériorisation d'une idée, mais l'épreuve d'un corps qui est en même temps l'incarnation d'une manière d'être. Le texte essentiel ici, c'est la série appelée « Volcan et porcelaine » dans « Logique du sens » et en particulier « La fin », où il traite de l'alcoolisme, mais mieux, de son alcoolisme. Il était alcoolique au moment où il écrit ça. Enfin, je conclurai avec l'esquisse d'une réflexion à propos du rapport entre mélancolie et pharmacologie. S'il me reste 2-3 minutes. D'accord. Deleuze. Troisième point, les apports de la pharmacologie. Il me semble que le pharmacon, remède des poisons, est le nom de l'ambiguïté mélancolique pour nous, ici. Ce concept de pharmacon permet une opération philosophique fondamentale. Déplacer la détermination ontologique de cette ambiguïté en la situant dans une extériorité objective, la technique. La principale fécondité de cette opération est de pouvoir penser une philosophie tragique purement matérialiste. Je fais une petite parenthèse. J'ai l'impression que la philosophie de Deleuze consiste en une désidéalisation de Marx, c'est-à-dire en l'achèvement de la philosophie matérialiste de Marx qu'il a cherché à mettre en place en luttant contre Hegel. Et peut-être qu'avec la pharmacologie, peut-être que Deleuze, d'abord, a visé à continuer cette idée, à matérialiser Marx plus encore qu'il n'avait pu le faire contre Hegel. Mais ce que j'aimerais montrer ici, avec les apports de la pharmacologie, c'est que Deleuze n'a peut-être pas totalement réussi, et que la pharmacologie nous permet de continuer encore cela. J'aurai pas le temps de vraiment développer cette idée, j'en donne simplement les linéaments. La principale fécondité donc de cette opération est de penser une philosophie tragique purement matérialiste, c'est-à-dire dont les impensés de la métaphysique seraient intégralement élucidés. Mais pour que les pharmacas soient non seulement le lieu insigne, mais unique du négatif, du caractère tragique de la vie, hubris, et plus largement de la matière, entropie, il faut encore qu'ils soient la cause de la mélancolie. La pharmacologie explique la cause de la mélancolie en une formule. Vivre, c'est vivre le défaut qu'il faut. Définition tragique de l'existence. Or, cette conversion du défaut en ce qu'il faut, seuls les pharmacas le permettent. C'est le cercle tragique. La compensation du défaut d'être s'accompagne toujours d'un accroissement de ce défaut, et par là entretient l'impouvoir mélancolique. Ou dit autrement,
Il y a d'abord le défaut d'être comme perte originaire, bêtise d'Épiméthée, puis redoublement du danger de cette perte par la nécessité d'utiliser le pharmacone, lui-même dangereux, pour y remédier, faute de Prométhée. Comment s'en sortir ? C'est impossible. Même la bifurcation n'est pas un passage vers une sortie de ce cercle. L'ambiguïté est irréductible. Et c'est là où le tragique de la pensée pharmacologique manifeste sa radicalité. La simultanéité du danger et du salut, du poison et du remède, ne peut compter sur aucune extériorité, transcendante ou immanente. Aucune spectralité ni virtualité qui pourrait servir de refuge, puisque l'extériorité, c'est le pharmacone. Le refuge est lui-même un danger. Alors quel salut ? Que peut être une vie exceptionnelle pour l'être pharmacologiquement mélancolique, enfermé, condamné au danger de la matière ? La réponse est l'intermittence. L'intermittence n'est pas un passage du danger au salut, une guérison. C'est bien une simultanéité du danger et du salut, mais située à l'extérieur, objectivement déterminée dans les pharmacas. En ce sens, l'intermittence n'est pas une reconquête de la subjectivité, comme l'est la survie de Derrida ou la singularisation de Deleuze, mais consiste en l'organisation de la circulation de la bile noire. En effet, dès lors que la cause de la mélancolie est objectivée dans la technique, il devient possible d'en penser la sécrétion et la circulation d'un point de vue non plus strictement physiologique, psychologique ou métaphysique, mais économique et politique. La mélancolie reste incurable, mais peut être soignée. Je ne développe pas le concept de soin qui est ici connu. Et on l'aura compris, cette mélancolie n'est plus l'affection d'un individu, mais d'un milieu. Ainsi, grâce à la pharmacologie, nous comprenons que la bile noire peut être pensée au sein d'une philosophie matérialiste à la condition d'une ontologie des relations. Et en retour, que l'exception mélancolique, qui est donc ce qui peut être sauf, n'est pas seulement le destin possible d'un homme, mais peut-être celle d'un peuple. Je vous remercie.